Alors, avant même de parler de l'ours d'or, j'étais très très heureux d'être en compétition parce que habituellement, il m'est déjà arrivé d'être sélectionné dans un grand festival à Cannes, à Berlin, mais jusque-là, j'étais toujours hors compétition. Et alors, quand j'ai appris qu'il y avait l'ours d'or, j'ai été vraiment, je ne m'y attendais pas. Ça a été pour moi un choc. Ça a été une vraie surprise. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Au début, c'était presque un. J'y croyais pas vraiment, j'y croyais pas complètement. J'étais assez bouleversé quand j'ai appris ça. Finalement, je suis au fond heureux de ça pour moi, pour le documentaire, pour une façon de faire du cinéma assez artisanal, assez fragile. Et puis je suis heureux aussi pour les répercussions que cela peut-être avoir pour la psychiatrie, pour une certaine psychiatrie. C'est important parce que la psychiatrie va mal et si l'ours d'or permet de mettre un peu de lumière sur une psychiatrie humaine, c'est pour moi très important.緊急公開決定。パリセーヌ川に浮かぶ船のデイケアセンター。今日もここにはいろんな人たちがやってきます。アダマン号に乗って。